Et bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de notre incroyable aventure sur Separate Ways évidemment. On retrouve Ada Wong comme d'habitude, 4K 60fps, un petit casque ou des écouteurs, voilà, plongez-vous dans le noir, on va se faire des petits plaisirs. Évidemment, tous ensemble, on n'oublie pas le j'aime, ça soutient mine de rien. Et je sais que depuis quelques années vous avez perdu cette habitude, et le commentaire ça soutient aussi. Et ça vous prend que quelques secondes. Allez, on est parti. Il m'a chargé de récupérer l'ambre. Un objet synonyme de malheur. Quelles atrocités seront commises en son nom? Et qui en paiera le prix? Parce que dans ce monde, quelqu'un paie forcément. Mieux vaut ne pas poser de questions. Ça, je l'avais compris. Je l'avais accepté. Jusqu'à ce que cette nuit à Raccoon City vienne tout changer. Je me dirige vers le point de rendez-vous avec Luis. Les Illuminados sont encore en état d'alerte. Reste sur tes gardes. Bien reçu. Terminé. Et normalement, nous sommes au moment où justement Leon S. Kennedy vient d'arriver dans le village. Ok, allez à l'église. Eh bien écoutez, on va aller tranquillement à l'église, on va essayer de se la jouer. Infiltration. C'est quoi ça? Incroyable. Incroyable, incroyable. Ok. Je suis moyen sur un quand même. Très bien. Ok, je sens que ce DLC, les amis, ça va être de l'infiltration. Et c'est pas pour me déplaire. Vraiment, je kiffe de fou. Hein. Je kiffe de fou. Hein. Ok. Oh, waouh. Oh, waouh, ça, c'était stylé. Ok, on a encore une petite plante rose. Qui est normalement rouge, hein. C'est écrit rouge, mais bon, elle est plus rose que rouge. Tu m'as compris. Un petit spinel! Un autre réponse. Attendez. Ok, je ne peux rien faire encore avec cela. Là, il y a un mec en face. C'est pas juste. Ok, vraiment. Il n'est pas mort, c'est évident. Ah. Ok. Ça, je vais pouvoir l'utiliser. Très bien. Crois-moi qu'on va l'utiliser fort et sale. Ok. Ok. Je la joue un petit peu. Oh waouh! 3? C'est beaucoup, hein. Ça, c'est bien ça. Je sais pas ce qui va se passer, mais ça va swingay. Ok. Les amis, il est temps de Mazdaquiser. Get ça. Et c'était évident. Ça, c'est de l'accueil.
était évident. C'était évident. Oh. Bah alors, Coquelicot. Allez, viens, viens par là. Attends, toi. Il est mort. Il est mort instantanément, c'était exceptionnel. Ok. Là, pour l'instant, on est pas mal ici. C'est pas mal, ça. Par ici. Oh là là, la visée automatique est parfois terrible. Hein. Bouge. Ok. Et viens par ici. Oh non. Oh non. Quelle vie de merde. Oh, il s'est brûlé la gueule. Bon, on s'en est extrêmement bien sorti. J'ai utilisé l'environnement à mon avantage. Je ne vous cache pas que c'est pas pour le mieux. Encore une fois, j'ai été plutôt spectaculaire. J'ai pas pris un seul coup d'ailleurs. Hein, by the way. Bon, pour l'instant, j'ai pas besoin d'équilibrer mon inventaire. Donc on est très très bien. Mais non, mais la visée automatique, c'est trop! Ça, c'est pas possible! Non, mais regardez! Les gros coups de stick, c'est la visée auto! Voilà, bon, allez. Un petit cadeau. On dirait des nouvelles. Ok. Cogno toi-même, hein. Cut, descends de là, pote infernal. Descends de là, je t'en supplie. Enfin, c'est pas vrai. Ouais, mais Sadler, vous commencez tous à me casser les couilles ici, hein. Ok, oh, on peut même augmenter sa vie tout court, mais ça c'est exceptionnel. Très bien. Allez, on va fabriquer quoi? On va fabriquer ceci. Ensuite, on va fabriquer ceci. Et ensuite, on va peut-être pas faire les pinces, hein. Oh, si, j'ai envie de faire la pince, hein. Ça a pas l'air d'augmenter ma vie. Et pourtant, ça devrait. Ok. Et on va fabriquer quoi, là? On va se faire un petit kiff. On va se faire quoi comme petit kiff, là? J'ai pas encore le fusil à pompe. Donc, on va se calmer. Très bien. Écoutez, on n'est pas trop dégueu. Même s'il y a des trucs qui ont été chiants. Ok. Ça coule un peu plus de sens qu'on utilise beaucoup plus le grappin. Parce que c'est vrai que sur PlayStation 2, à cause des limitations techniques de l'époque, on l'utilisait pas tant que ça. Hein. C'était que dans les cinématiques qu'elle avait son grappin. Là, au moins, bon, voilà, ça. Ça coule de source, comme on dit. Je m'attendais pas à tant de monde. Je me demande ce qui les rend aussi nerveux. La fille du président. Sans aucun doute. Ouais, ça tombe plutôt mal. Considère la zone comme affectée. Tout le village est touché. J'ai lu le rapport. Je devrais m'en sortir. Ok. Il y a des corbeaux? Oh, je suis catastrophique. C'était honteux, mais c'était tellement drôle. Ok. Oh, waouh. Dans ce genre de fabrication, on avait affronté El Gigante. Il n'y en a pas un autre, j'espère. Il n'y en a pas un autre. S'il vous plaît. Il y a du monde en bas, les amis. Un petit couteau de cuisine. On adore la cuisine. Oh, c'est dans cette maison qu'on se bat. Non? Vous savez, à l'invasion, là.
te puedes esconder? Ils m'ont localisé. Ouais, mais c'était trop tentant, je suis désolé. C'était beaucoup trop tentant. Waouh! Eh les gars, cadeau, c'est Bibi qui régale. Ça, c'était Bibi qui régale. Beaucoup trop tentant. N'abusons pas des bonnes choses. Faut savoir aussi s'amuser dans la vie. Ok. Je prends. Toujours pas été touché, hein. Pour l'instant, on est en masterclass. Hein. Oh, quoi? Okay. Oh, cogne toi-même. T'as mal? C'est bien ce que je pensais. Ok. Il m'a dit cogno, les gars. Hein. Moi, vous savez, quand on me dit cogno, je sors de mes gonds. Yo. Ok, ça, je prends. Incroyable. Ok, un petit bleu velours. Attends, c'était cette maison, hein? Eh, je suis pas fou. C'est... Oh, waouh. Oui, c'était bien cette maison. Il y avait un autre petit truc ici, très bien. On aurait pu utiliser totalement à notre avantage. Oh mon dieu, je veux. Attends, si je passe par ici, il y a quoi? Que dalle. Et là... Que dalle non plus. Oh, il y avait ça! Ah mais ça, c'est terrible. Hein. Déjà que j'y pensais pas dans l'aventure principale, alors là... Je risque pas d'y penser non plus. Bon, écoutez, je pense qu'il faut simplement faire le tour. De toute façon, on n'est pas très loin de l'église, me semble-t-il. À vol d'oiseau. Oh, waouh, une vache! Un porc! Oh non, non, non! J'aurais jamais de corbeau. L'église est pas par là. Non, par contre, par là, je l'ai vu. Je l'ai vu, ma gâtée! Ok. Est-ce que je peux tuer le... Le cochon? Ça me donne quelque chose ou pas? Ok. Ok, ok. Ok. Oh là là, je... Ah, bonus. Ok, c'était ça. Alors, deux pierres. Deux pierres, le meilleur, c'est duo. Voilà, donc c'est rouge et rouge. Très bien. Et pour le reste, je ne peux rien faire. Ok. Très très bien. On continue, les amis. On se casse. Direction ce petit pont. Très agréable. Ouais, c'était évident, putain. C'était si évident. Oh, waouh. Oh, désolé, j'ai dû faire vite. Oh. Ok, ça c'est gratuit. Ok. Très bien. Très très bien même. J'aurais pu me barrer. Mais est-ce que ça valait le coup? Bien sûr que non. On sait jamais. Des trucs sympas à ramasser tout de même. Léon. Pourquoi ça me surprend pas? C'est gentil de t'occuper d'eux pour moi. Essayons de trouver un autre chemin jusqu'à l'église. Oh,
Ok, ça on n'est jamais passé par là, c'est incroyable. Oh, ça c'est de la nouveauté ça. Oh, j'apprécie royalement. Cut. Chier, putain, dernier couteau de cuisine. Y a pas de vendeur. Quand même embêtant. Y a pas un vendeur, hein. C'est assez terrible. Hein. Mais attendez, en vrai de vrai, j'y pense, mais j'y pense pas vraiment. Ouais, ça me permet de savoir où sont les trésors, ça, non? Ah, bah non, parce que fallait acheter la carte au trésor à la base. Et je parle pas de l'émission sur France 2. Je parle du vendeur. Mais là, waouh, oh, vous l'avez vu? Faut que je me dépêche. Bon. Putain, c'est pas vrai. Ah, désolé. La cloche a sonné aujourd'hui. Je ne l'avais pas entendue depuis bien longtemps. Elle sonne lorsque notre Seigneur nous appelle. Tout le village est rassemblé à l'église pour l'écouter. Il a été d'une grande bonté comme toujours. Nous entrons en symbiose, nos esprits ne font plus qu'un. Il a même dit que les miracles nous créons ici illumineraient bientôt le monde entier. Quelle sagesse, quelle compassion. Grâce à la bienveillance de notre Seigneur, nous recevrons le remède contre la folie. Vivement que la cloche sonne de nouveau. Alors attendez. Il y a un truc à faire là-bas, non? Ok. Ok, d'accord. Ah, d'accord. Alors, un... 2. Putain, ça ressemble à rien, je suis cuit. 1. 2. J'ai fait du pif sur un malentendu. On avait le troisième. Allez, on va check. Let's go. Ah, faut prendre de la hauteur, c'est évident. Nous ne pouvons pas laisser cette satanée sexe faire ce qui lui chante. Il faut que je trouve les médaillons bleus. Non, mais quoi? Pourquoi ça... Oh, waouh. Mais arrête. Et regardez la visée automatique, regardez! Mais je ne peux pas aller sur le corbeau, ta grand-mère! Non mais c'est très grave, ça! Non, je vais le désactiver, vraiment! Je vais le désactiver, attendez, on va checker maintenant, parce que c'est infernal. Je suis désolé, la visée automatique, c'est un no way. Accrocher, suivre... Ah non, non, c'est un nom. C'est quoi accrocher? Se fixe sur une cible au moment de viser. Oh, on arrête les conneries, les gars. Oh, on arrête les conneries, c'est bon, frère. Pas mal. Non, on n'est pas désassistés, les gars. Oh. Suivant. Waouh. Je comprends pas, là. Ça ressemble à rien, frère. C'est quoi? C'est des ailes? Je l'ai pas là. Ok, les autres sont là-bas. J'en ai un d'ici. Et l'autre? Et l'autre? Et l'autre est... L'autre est supposé être là-bas, hein. Hauteur, hein. Je ne suis pas fou. Putain, tout ça pour des spinels, quoi. Il est là. Ça, c'est fait. Impec. Oh, waouh, il était super bien planqué. C'est assez terrible. C'est assez terrible. Très bien.
Bon, je crois avoir. Je crois avoir. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est. Ça. Allez, ça dégage. Bon. Bien, bien, bien. Ouais, non, 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 ça c'est... Désactivez-le, hein, si vous faites le DLC de votre côté. Ah, vraiment, c'est honteux, hein. C'est honteux. Ça y est, la voilà, l'église. Allez, on est reparti. J'ai eu une petite... j'ai eu une petite coupure... capture. Je viens d'où, là? Je ne comprends pas. Attendez... Y'a quoi là derrière? Sur un malentendu, les amis? Ah oui, je me souviens. Y'avait le vendeur ici. C'est fermé. Regardez, on entend Leon se battre. Oh tiens, il aura pas ça. Allez, dégage. Rien à péter. Tu te démerdes sans ces pesetas. Ok. Toujours pas de signe de vendeur pour l'instant. Si jamais. On verra un petit peu ce que ça donne un petit peu plus tard. Ok, ok, on est à l'église. Oh, cette phase est assez terrible. Wow. Tes potes. Allez, ça c'est cadeau. Oh waouh, il allait me mettre un coup de pelle. C'était quelque chose, hein. Oh, il allait me mettre un coup de pelle. C'était quelque chose. Ok. Là on a une petite maisonnette. Celle-là je l'ai pas oubliée, mon pote, hein. Yo. Bien. Premier corbeau. Premier corbeau. Il m'a rien looté, ce fils de pute. Je viens de me faire voler. Ok. Je prends. Allez, un vendeur, les gars, merde. C'est trop demandé ou quoi? Juste un vendeur. Il est où? Encore un faux plan. On dirait qu'il a besoin d'un coup de main. C'était Adam. Je sais plus si sur PlayStation 2 on le voyait. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est au début du début du début du jeu, hein. Cette fois, c'est gratuit. Ne fais pas attendre, Louis. Oh.
On vient de perdre le signal de Louis, quelque part dans les environs du village. Attends-toi au pire. C'est le territoire de Mendes, non? Sa maison est là-bas. Je peux peut-être aller y jeter un œil. Vas-y. Je vais essayer d'en savoir plus de mon côté. Bon, allez au manoir du chef du village, et évidemment, Mendes. L'incroyable Mendes. Ça va être très très chiant, ça va être la Buggers. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, je pense qu'on va se faire des petits plaisirs. Fabriquer. Ouais, ça me paraît pas mal. Quoique je peux le mettre... Quoique je peux le mettre là, en vrai, c'est aussi rentable, c'est tout aussi bien. D'ailleurs, est-ce qu'on va pas se faire plaisir tout de suite? Moi, je pense que si. Let's go. Voilà! Là, ça met bien! Et j'ai encore une plante jaune, hein, s'il faut. Ne vous inquiétez pas. Là, on peut rien faire. Et de l'autre côté, on va checker. Sur un malentendu. Waouh! Ok. Là, on peut rien faire non plus. Donc là, il y a quelque chose. Qu'est-ce donc? Oh, waouh! C'était le nid du corbeau. Et c'est un rubis. Superbe, ça. Superbe, superbe, superbe. Certir. Allez, let's go. Voilà, ça vaudra le plus. Qui peut le plus, peut le moins. Qui chiale? Oh! On entend Ashley pleurer, miskin. Waouh! Garde-la enfermée dans l'église jusqu'à l'heure. Waouh, c'est incroyable! Ok. C'est Lyon qui s'en occupera. Nous, on a d'autres choses à branler. Ok. Allez! Allons-y, let's go, c'est parti, les amis. Ça va, ils sont totalement Matrix. Ça va. Oh, waouh! C'est beaucoup là, non? Ok. Ah, il innove. En termes de chemin, il est dans l'innovation. C'est pas par là, hein. Ok, superbe. On a réussi à se barrer. Il y en a d'autres là ou pas? Ça a l'air d'être ok. Oh, vous avez vu ce que j'ai vu là? Bien sûr que vous avez vu ce que j'ai vu. C'est le vendeur! C'est le vendeur, l'incroyable vendeur. Donc il est bien là. Hey, étrangère, alors qu'est-ce que t'achètes? Drôle d'endroit pour ouvrir une boutique, étranger. Peut-être, mais on dirait que j'ai bien fait. Bien, c'est la première fois que nous faisons des affaires ensemble. Alors faisons en sorte de marquer le coup. Ok. Bienvenue. Ah, bien joué. Allez, 6 spinels. Très bien, bon. Ça on vend. Ça on vend. Ça on vend. Les richesses ça, que tu amasses on peut vendre. Serviront à rien dans la tombe. Et les spinels. Où sont les spinels? Ah oui, c'est vrai que c'était pour acheter le truc en particulier. Ok, d'accord, très bien. Oh, waouh! Waouh. Ok, il y a pas mal de petits trucs très sympas. Ça, à la base, hein, tu connais. Voilà. Offre spéciale, s'il vous plaît. Un petit fusil à canoncier. Je dis oui si c'est une offre spéciale. Ce petit bijou est un peu plus maniable. Il sera parfait pour toi. Très bien. Et le reste... Oh, le Punisher, c'est quelque chose. Hein. Je vais réparer mon couteau. C'est du bon travail, si je peux. Très bien. Je vais même l'améliorer, le cut, en vrai. Je vais même l'améliorer. C'est un travail qui demande de la finesse. Ça me paraît pas mal. Étrangère. Et là, soit je modifie le pistolet. Ok, j'ai besoin, dans les avis, de votre avis.
Est-ce que je modifie le Blacktail parce qu'il est très très bien pour le coup? Je savais lequel modifier dans Resident Evil 4, mais là, dans le DLC, je sais pas trop. C'est nouveau. Ou est-ce que je prends le Punisher et je le modifie? À vous de me dire. Quelque chose de plus. C'est maintenant! Ok. Ça t'épate, hein? Et là, qu'est-ce que je peux échanger, là? Notre savoir. Incroyable, des rubis. Personne indifférent. Ok. Je vais prendre ça. Très bon choix. Une petite clé. Superbe, ça. Mais je le pense vraiment. Une carte au trésor. Un choix original. Ok, je pense que c'est pas dégueu ce que j'ai fait. Dans le bon les amis, on va s'arrêter là. Maintenant, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous fais des gros bisous. À bientôt tout le monde pour la suite de notre aventure. Bye bye.